Alors bonjour, petit complément par rapport au montage photo. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment grouper et dégrouper les objets pour pouvoir les manipuler plus facilement. Donc dans l'exemple que j'ai ici, si je veux prendre un groupe d'objets où j'ai des balises, des pictogrammes, je vais appuyer sur la touche majuscule et sélectionner les plusieurs objets que j'ai envie de grouper. Donc une balise, je reste appuyé sur la touche majuscule, une autre balise, un pictogramme, un autre pictogramme. Alors, je peux déplacer cet objet, mais pour être sûr qu'il ne se sépare pas, quand j'ai tous ces objets sélectionnés ensemble, je fais clic droit et je vais donc les grouper. Grouper. Ce qui fait que quand je vais déplacer tout ça, eh ben, je suis sûr que ça restera un même objet. Je ne vais pas être obligé de laisser les déplacer un par un. Si je veux changer la taille, ça changera la taille de l'ensemble. Travaille uniquement sur cet objet. Si j'ai envie de les dégrouper pour pouvoir les séparer, ben je vais sur le groupe et je fais dissocier. Voilà. Et donc là, une fois que j'ai dissocié, si je prends, alors je clique à côté, si je prends un objet, ben je peux de nouveau déplacer mes objets un par un. Voilà.